une démarche qui révèle quand même leur inaptitude à exercer ce type d'activité sans avoir les connaissances requises. C'est un métier pour lequel les Français passent 4 à 5 ans de formation dans une école nationale pour obtenir ce diplôme. Au-delà de la personne, ça nous met en colère car ce sont des gens qui ont signé un contrat avec une agence de voyage polonaise qui vendait la prestation donc des guides de haute montagne. Et donc cette agence embauchait des personnes qui n'avaient pas le diplôme reconnu pour exercer donc ce métier.